Bonjour tout le monde! Pour cette nouvelle semaine de défi, pour ce sixième défi, je vous propose une chorégraphie Bollywood. Donc c'est quelque chose de festif, donc amusez-vous en le réalisant. Vous allez devoir, comme pour le Charleston, reproduire ma propre chorégraphie. Donc vous aurez deux choix, une chorégraphie un petit peu plus simple et une chorégraphie un petit peu plus technique. Donc c'est à vous de choisir celle que vous souhaitez réaliser. Comme ça, ce défi est adapté à tout le monde, au plus jeune comme au plus grand. Donc suite à ma petite vidéo, vous découvrirez ces deux chorégraphies et les explications. Et après, ça sera à vous de jouer, comme d'habitude, en vous filmant et en nous envoyant à CLC ou à moi votre chorégraphie ou en la postant sur le groupe. Donc je compte sur vous, amusez-vous, souriez, profitez et bon Bollywood! Merci et à très vite! Donc ce sont les explications de la première chorégraphie. Donc je vais tout faire de dos pour que ça soit plus simple pour vous. Donc on commence avec la jambe droite devant. Les mains en haut, en petite pyramide. On ne pose pas les mains sur la tête. Ça va faire les comptes. 1, 2, 3, 4 et 5. Si je referme 7, 8. On regarde bien sa main. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Mais comme vous avez vu sur la vidéo, je rajoute des hanches. Donc je vais mettre des hanches. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Il n'y a que la hanche droite qui bouge. Ensuite, je vais ouvrir les bras sur 4 temps en pliant mes jambes. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Alors, les petits piétinés. Pour les petits piétinés, ça fait je pousse, je pousse, je pousse sur ma demi-pointe. Je pousse sur la demi-pointe droite. Hop, hop. D'accord? C'est le mouvement qui peut vous poser un petit peu plus de problèmes. Si jamais vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous faites sur pied plat, vous ne faites pas les petits rebonds. Mais je suis sûre que vous allez y arriver. Donc, on a fait nos petits rebonds. 4 temps et 1 fois 8. Ça va faire soleil. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. D'accord? On fait des petits cercles avec le bras gauche. Oui? Et ensuite, on fait une petite promenade. Donc la petite promenade, on met le bras gauche dans le dos et le bras droit, on va le présenter comme un plateau, comme pour servir. Donc, et... 1, 2, 3, 4, j'ai tourné, et 5, 6, 7, 8, pardon, et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Les deux tours, c'est 1 fois 8 à chaque fois. Et une fois que j'ai fait mes 2 fois 8, deux petites promenades, toujours avec mes sautillés et mes petits plateaux, on fait petite chimie avec le haut du corps. Et sur la fin, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait un saut. Vous, ça peut juste être une pause. Ça peut être une pause. Ça peut être au sol. Ce que vous voulez, d'accord? Donc, c'est à vous de jouer. Allez, on passe aux explications de la deuxième partie, la deuxième chorégraphie. Donc, prenez quand même de l'espace sur le côté. Pardon, je vais vous le faire de dos. Donc, si je le fais de dos, je commence bien sur la gauche. Ça va faire... Jette, vous allez jeter, hop, je jette la jambe droite et je jette le bras gauche.
Ça va faire jette, jette, côté. Jette, jette, côté. Donc si je le fais face à vous, ça fait 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. Donc de dos, si je reprends, ça fait droite, gauche et côté et jambe gauche, jambe droite, côté. Oui, c'est le pas qui est un petit peu plus compliqué. Une fois que j'ai fait ça, donc 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, je tombe, je vais tomber avec ma jambe droite. 1, je reviens 2, 3, je reviens 4. Et là, je vais faire 5, 6, 7, 8. Je vous le montre de face, mais on reste toujours dans la même direction. 5, 6, 7, 8. Je pose un genou au sol. Donc le genou gauche au sol. Et on prend appui avec le pied droit. On tient la main droite. Et ça va faire pouce. 1, 2, 3, 4. Je me relève tout de suite. Ça va faire. Je croise la jambe gauche derrière. 5. Avec les petites mains en poisson. 6, 7, 8. Vous avez vu ma tête? Elle suit à chaque fois. Et quand je dis les mains en poisson, c'est comme ça les mains. D'accord? Donc on est remonté. 5, 6, 7, 8. Ça va ça? Ensuite, ça va faire petite promenade. Donc pareil que sur la première partie. J'ai la main gauche dans le dos et mon bras droit en plateau. Ça va faire 1, 2, 3, 4. Et j'ouvre le bras à gauche. 5, 6, 7, 8. Toujours avec mes petits piétinés. Et je continue. Ça va faire, je croise la jambe droite devant la gauche. Je croise droite. Je croise gauche. Je croise droite. Je croise droite. Plus rapidement, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Si je le fais face à vous, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Vous avez vu? Je pousse avec mes bras. Mes bras ont vraiment une très grande importance. Donner vraiment de l'énergie et du style. Donc on a fini de faire ça. Et après vous avancez vers la caméra ou vous terminez comme vous voulez. Moi j'ai avancé vers la caméra avec une petite chimie des épaules, mais vous, vous pouvez terminer votre chorégraphie soit avec la chimie, soit avec une pause, ou alors vous pouvez continuer la chorégraphie si vous voulez. Vraiment, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Donc, le petit message pour les deux groupes. Comme pour le Charleston, si vous le souhaitez, vous pouvez enchaîner les deux chorégraphies, d'accord? Ou alors, ceux qui font la première partie pareil, au lieu de faire une pause de fin, vous pouvez continuer comme vous le souhaitez, me faire une petite impro en Bollywood. Et pareil pour le deuxième groupe, vous pouvez continuer la chorégraphie avec une petite impro. Donc je vous